le nouveau président de la Eurogang, Landry Aban, a annoncé un grand spectacle en hommage à DJ Arafat prévu pour le 1er janvier 2020. Landry Aban et la Eurogang veulent donner le disque d'or à DJ Arafat. Lors de la grande veillée artistique en hommage à DJ Arafat, qui a eu lieu le 30 août 2019, les membres de la Eurogang, par la voix de Landry Aban, s'étaient donné pour mission de pérenniser les œuvres de leur mentor. À cet effet, ils prévoyaient de dévoiler le morceau intitulé « Kong » dont DJ Arafat n'a pas eu le temps de faire la promotion avant d'être arraché de la terre des hommes. Mais plus d'un mois après l'inhumation du Bey Roussama, les Chinois fans de DJ Arafat, qui n'ont toujours pas eu droit à la dernière œuvre de leur défunt président, avaient commencé à exprimer leur impatience via des publications sur les réseaux sociaux tout en indexant le nouveau président de la Eurogang, Landry Aban. Silencieux depuis un certain temps, Landry Aban a décidé de rompre le silence. Dans une vidéo diffusée sur la page DJ Arafat Forever, le nouveau patron de la Eurogang a dévoilé le programme du D-Label. Alors que de nombreux Chinois s'attendaient à des informations sur « Kong », Landry Aban a plutôt annoncé un concert hommage au Bey Roussama le 1er janvier 2010. Un spectacle qui, selon lui, constitue une opération disque d'or pour feu DJ Arafat dans la mesure où chaque Chinois qui achètera son ticket aura droit à un CD de l'album Renaissance de DJ Arafat. Landry Aban a également demandé à toute personne résidant hors de la Côte d'Ivoire et souhaitant organiser un spectacle hommage à DJ Arafat à prendre attache avec la Eurogang. Aussi, prévoit-il d'organiser un autre spectacle le 26 janvier 2020 qui, rappelons-le, est la date d'anniversaire de DJ Arafat. Par ailleurs, Landry Aban a invité le tout dernier manager de DJ Arafat, Arnaud Jaguard ainsi que la mère du Deshi, Tina Glamour, à s'associer à lui pour la réussite de ces événements. Il a également invité tous les Chinois à éviter les clashs avec les autres artistes du coupé décalé et à se concentrer sur le disque d'or qu'ils doivent donner à leur président DJ Arafat.